Hello! Bienvenue sur ma vidéo, tout simplement. Et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Voilà. Tout simplement. Je suis née le 25 février. Donc maintenant, je vais avoir 19 ans, tout simplement. Oui, je suis polonaise. Dzień dobry. Do widzenia. Jak się masz? Tout d'abord, oui, j'ai des piercings. J'en ai un sur les lèvres, comme vous pouvez voir. J'en ai un sur l'oreille. Enfin, ça s'appelle une boucle d'oreille, mais moi j'appelle ça un piercing. Et j'en ai deux ici. Voilà. Alors, pour les piercings aux oreilles, ça fait pas mal. Mais on sent assez passé, c'est normal parce que voilà, on sent passé, tout simplement. Pour le piercing sur la lèvre, ça fait juste des picotements, mais ça fait pas si mal que ça. Et voilà. Et pourquoi j'ai voulu faire les piercings? Eh bien, tout simplement parce que j'aime bien et je trouve ça beau, c'est tout. Eh bien, je compte en faire encore peut-être 2-3 sur les oreilles et un sur le nez. C'est tout. À vrai dire, je n'en ai aucune idée. J'ai vu pas mal de tatouages qui me plaisent sur Internet ou voilà quoi, sur les pages. Mais pour l'instant, c'est entre hésitation. Donc mieux vaut être sûr pour faire des tatouages que d'en faire et après regretter. Donc pour l'instant, j'en fais pas. Toutes sortes de vêtements. Je porte plus souvent des jeans en hiver, ça c'est normal pour pas avoir froid. Ensuite, pour l'été, je mets un peu toutes sortes. Je peux mettre des pantalons comme des robes, comme des jupes, voilà. Tout simplement. Goût en musique, et j'aime bien le rap, mais j'écoute aussi toutes sortes de musique. C'est voilà, j'aime tout quoi. Déjà, c'est de finir l'école, de trouver un travail qui me plaît, et voilà quoi. Fonder une famille avec une personne que j'aime, m'installer, profiter de la vie tout simplement. Ce que j'aime bien faire, j'aime bien me balader. J'aime tous les trucs de tous les jours, quoi. J'aime dessiner, j'aime un peu de tout. Si j'ai des films préférés, j'ai pas de film préféré, mais je regarde souvent la télé. Et ce qui me passe, ce qui passe. À la télé, après qu'il ait fini le film, c'est là que je décide s'il m'a plu ou pas. Mais j'ai pas de préférence. Pas de couleur préférée, mais j'aime bien, j'aime surtout le bordeaux, le rouge et le violet. C'est tout. Sur la question d'abonnés, le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce. De partager et de donner vos avis ou d'autres questions que je pourrais y répondre dans les prochaines vidéos. Tu as un ami très sympa, très voilà, très gentil, enfin sympa et gentil c'est le même, mais voilà quoi, ouais, c'est le même. Et donc j'espère que je pourrai compter sur toi et voilà, merci d'être là. Bien sûr qu'on se verra un jour. On est meilleurs amis. On se reverra, t'inquiète pas. Je trouverai du temps. Pour les moments gênants de ma vie. Excusez-moi. Je peux pas m'arrêter de rire parce que j'y repense aux moments gênants. Du coup, ça me fait un peu rire. Mais c'est rien.
c'est juste moi. Alors, ben, j'ai écrit parce que ça me. Sinon, je me mêlais. Du coup, ben, je vais lire un peu parce que voilà. Et je vais vous résumer. Ça serait peut-être mieux. Ben, alors, j'ai beaucoup de gênants moments de ma vie. Encore un qui était hier ou avant-hier. Ben, je vais vous choisir des moments, deux, trois meilleurs moments gênants de ma vie. Eh ben, le premier, c'est que j'habitais, j'allais dire, j'étais encore chez mon ex. Et c'était dans, comment dire, c'était dans sa chambre en fait. On était descendu dans la cuisine pour boire ou pour manger, je sais plus, mais on était descendu en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai pas su. On était trop en train de mourir de rire de je sais plus quoi. Et à cause de ça, pardon, eh ben, j'ai pété. Et c'est parti tout seul en fait. J'ai pété, du coup, après, je suis devenue toute rouge et voilà, c'est sorti tout seul. Comme beaucoup de personnes en fait. Alors, mon deuxième moment gênant de ma vie, eh ben, c'est quand on était faire les magasins avec ma mère, ma cousine et ma marraine. En fait, on marchait. En fait, ils étaient derrière moi et moi j'étais devant eux. On marchait, tu vois. Et pourquoi je dis tu vois? Je connais rien. Bref. Et on marchait. Je marchais devant eux parce que voilà. Je pense que j'avais boudé à ce moment-là, mais je sais plus à cause de quoi. C'est 2-3 ans en arrière, je pense. Mais voilà. Et donc, on marchait, on faisait le magasin. Et juste au moment où je voulais raconter, enfin, demander quelque chose à ma famille, qui me suivait normalement, eh bien, j'ai posé donc cette question. Mais. Ah oui, j'avais posé cette question où on allait rentrer dans quel magasin en fait. Et du coup, ils m'ont dit, enfin ils m'ont même pas répondu vu que quand je me suis retournée, eh ben, ils se sont arrêtés quoi. Du coup, ben, je parlais dans le vent. C'était voilà. Et du coup, c'était gênant. Une personne était justement passée devant moi et m'a répondu à la place de mes parents, quoi. C'était la honte totale. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'était la honte totale, tout simplement. Alors, le troisième moment gênant de ma vie, eh ben, c'est quand on était en Pologne en vacances. Eh ben, je marchais pour aller au magasin avec ma cousine. Et j'ai pas vu, il y avait un poteau, comment dire ça, au milieu du trottoir. Oui, en Pologne c'est comme ça, mais voilà. Il y avait un poteau au milieu du trottoir, et donc ben, ma cousine elle m'a très distraite en fait, mais je sais plus à cause de quoi, c'était il y a des années. Et ben, elle m'a distraite, et voilà, j'ai foncé dans le mur, et enfin, j'ai foncé dans le mur, j'ai foncé dans le poteau, je me suis pris le poteau en plein face, tu vois. Et voilà, c'était la honte parce qu'il y avait des jeunes derrière nous. Voilà, c'est comme ça. Pour les produits bio, si j'achète des produits bio ou consomme bio, eh ben non. Sincèrement, non, parce que voilà. Ça m'arrive d'en acheter et de manger. Mais c'est quand vraiment un truc que j'aime bien, ben acheter dans ce cadre. La chaîne que je regarde le plus sur YouTube, eh ben je n'ai pas de préférence, je regarde un peu toutes sortes de vidéos, par exemple de jeux, de voitures, de un peu tout quoi. Eh ben je sais vraiment pas quel métier je voudrais faire plus tard, mais j'ai pas mal d'idées si je pouvais devenir scénariste. Donc, pour créer des films. Et voilà. J'ai pas mal d'idées pour ça. Sinon, voilà. J'ai pas d'autres trucs. À part écrivaine aussi qui me plaît assez. Mais il faut avoir de l'imagination.
donc je sais pas du tout. Imagination. Donc voilà, c'est le seul truc que je pourrais faire. C'est le seul truc que j'apprécie vraiment et que j'aimerais faire. Voilà quoi, comme métier. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, punaise, j'arrive plus à parler, c'est la mort. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce. Oh, j'ai réussi. Et de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un commentaire, des questions en commentaire que je pourrais dire sur la prochaine vidéo YouTube. Et merci d'avoir regardé la vidéo, tout simplement.